Petite intro avant que la vidéo commence. Alors, pendant les 5 premières minutes, j'en suis désolé, il y a eu un petit problème, je sais pas pourquoi, peut-être parce que je faisais un rendu en même temps, ou des fois il va y avoir des coups de saccade, donc j'hésitais à le refaire, mais vu qu'il est déjà 18h22, sinon vous n'aurez jamais eu le centre des logs aujourd'hui, et vous allez voir, donc on est sur Warfare 3, j'espère que vous allez kiffer. J'ai demandé sur Twitter si vous voulez que je l'upload, malgré qu'il y ait pendant les 5 premières minutes les coups de saccade, c'est un très bon gameplay, vous allez voir, c'est pour ça que ça me faisait un peu chier de le recommencer, mais voilà, je vous préviens, j'espère que vous serez indulgent, et puis j'espère que vous allez kiffer la vidéo, voilà, simplement. Oh 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 god, les gars! Yep tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Sandalog, on est sur Warfare 3. Donc non, ça devait être sur Black Ops 2, mais j'ai eu quelques problèmes par rapport à un PS3 que je vais mettre tout de suite ici là pendant le petit chargement. Qui fait que le jeu ne se lançait pas, ça mettait un problème avec la mémoire je crois, enfin j'ai pas trop compris. Et du coup bah j'ai abandonné, mais je me suis dit bon, déjà la semaine dernière Gotaga tu l'avais promis de faire sur BO2, cette semaine tu peux pas encore, bon qu'est-ce qu'ils vont commencer à rager, c'est normal tu vois, afin de trouver des excuses et tout. Du coup je me suis dit bon allez, on va faire autre chose, on va aller sur un autre code, et j'avais mon Warfare 3 que j'ai re-téléchargé. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on est sur mon Warfare 3. Donc un style de jeu vraiment différent. Hein. J'ai fait une première partie avant où j'ai oublié de record, du coup je me suis senti un peu con. Parce que j'avais oublié de record. En plus c'est une game qui s'est bien putain bien passée, c'était sur Terminal. J'ai failli faire une mob, j'ai pas réussi, je suis mort connement. J'ai failli en faire une. Et là du coup je vais essayer de vous en faire une. Je me rappelle de cette carte, j'en faisais beaucoup des mobs sur cette carte. Du coup on va essayer de vous faire ça. Donc ça fait plaisir d'être sur Warfare 3, hein. Franchement le gameplay je kiffe. Retrouver mon petit radar portatif c'est kiffant, il y a moins de trucs... pas cheaté, mais genre... Bon, il y a toujours... je me suis pris un lancement de... Bah, je crois que c'est ce qui a pété ma série tout à l'heure. Tout à l'heure quand je faisais la mob, c'est un mec qui m'a balancé un C4 je crois. Mais bon voilà, il y a vraiment que ça de chiant je crois. Hein. Y a pas... Ah si, il y a le mastodonte aussi. Il y a eu un mastodonte qui me courait après tout le long. Impossible à tuer. Vraiment les mastodontes sur ce jeu par contre sont impossibles à tuer. Mais sinon, voilà. Retrouver mon radar portatif, retrouver mon magnum. Ah bon, là j'ai changé d'arme. D'ailleurs je me suis fait avoir plusieurs fois... Comment ça il a déjà un cobra lui? Comment ça il a un cobra? Non. Voilà, en plus c'est moi qui vise directement, fallait s'en douter. On a l'avantage. On a perdu A. Ouais c'est une mec en 3-2. Ah non 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 bah... Mais quoi? Prenez ses positions. On est plus en tête. Pourquoi il regarde là comme ça là? Non mais c'est qu'il y a un hélico déjà là, le mec en 6-1. Il fait quoi lui? Bon pour l'instant on va pas bouger malheureusement hein, mais bon l'hélico hein, on se sait les gars. Bon. Bref, on commence mal cette partie, mais bon, on va faire avec. J'ai pas grand chose à vous dire dans ce dialogue, malheureusement. J'ai pas de grandes news, hein, comme quoi bah, le roster se passe super. On a aucun problème, donc du coup, avant, je vous ai des fois des dialogues pour vous dire encore une fois, nous changeons de roster. Mais là, voilà, ça se passe super bien. Du coup, j'ai plus trop de news croustillantes comme ça à vous dire, quoi. Croustillantes. Parce que je sais que vous aimez un peu ce style-là, la story. Oh, il y a des problèmes. Vite, allons regarder le dialogue de Gotaga. Il va tout nous expliquer. Sauf que là, avec Riskin, bah, tout se passe super bien. On n'a aucun problème. Niveau LAN, niveau ambiance, niveau tout. Et du coup... Ok, let's go. Là, ça lag, là. Oh, c'est pourquoi ils nous mettent cet os, là. On sécurise C. Voilà. Oh, ça lag de ouf. Non, reste mon radar portatif tranquille. Putain, il y a trop mon radar portatif. On sécurise Alpha. On sécurise C. Ah, mais j'attends là. A sécurisé. C sécurisé. Bonus spécial. Ça a l'air d'aller un peu mieux. On
Bon, alors là, on commence une série. Hein. Là, c'est le moment de concentration. Ok, notre pote va sur B. Hop, nous, on va se casser là-bas. Ah, faut faire gaffe parce que sur ce jeu, ce qui est chiant, c'est que quand un ennemi tire ou quand il y a le radar, tu sais pas s'il est en haut ou en bas, contrairement à Ghost. Ghost, c'est vraiment cool ça par contre. Quand tu sais d'où le mec tire, si c'est en hauteur ou pas. Si le mec est plus haut que toi ou s'il est en haut. Ah, ça lag de ouf. Bon, allez, on se recasse. On va commencer une bonne petite série. Putain, ça fait bizarre de pas avoir son score en haut à droite là. Ils sont aveugles. C'est une histoire d'habitude. Ils sont combien? Oh, ils sont beaucoup pourtant. Ah, enfin, ils changent d'os. Attends, on va peut-être vous réussir un petit KM. KM, une nob. Ce serait cool. Ce serait vraiment cool. Allez là, plus vite. Allez là. On va perdre B. Non, c'est mon kill. C'est à qui ça? Non, me tue pas, me tue pas, me tue pas, me tue pas. Donc ça, je sais jamais si c'est allié ou ennemi. Du coup, il y a ça, faut juste aller dans un petit corner et attendre. Il y a du monde là-bas, on va y aller. On va perdre, bravo. On va essayer de les contourner. Ouais, faut bouger de là hein, parce que là on va se faire prune sinon. Ok, je pense pas qu'on va se faire contourner. Ouais, lui le Adil là, Adri là il nous cherche. Hein. Le Adri il veut nos fesses. Drone amélioré activé. Bravo sécurisé. Oh, ils font tellement peur les snipers sur ce jeu. Les méchants prennent des. C'est qui, c'est pour nous ça ou. Let's go! Let's go les gens! Une petite mob! Alors, par rapport à l'E3, moi si j'y vais pas, c'est parce qu'on va la réflexe GT. C'est la première des raisons. Et la seconde, c'est que l'ambiance E3, j'aime pas trop. C'est-à-dire que ce côté, pendant deux jours, tous les youtubeurs sont hyper copains. Et après, boum, ça se recrache dessus quelques jours plus tard. Et cette ambiance-là, j'aime pas trop. Mais voilà, la raison principale, surtout qu'on a la réflexe GT en même temps à Amsterdam. Et comme je vous ai dit, je vous ai longtemps expliqué. Le méchant. Que moi, avant d'être un. Oh. Que moi, avant d'être un joueur. Ça va être pour ma gueule, ça. Ça, ça va être pour ma gueule. Et ouais, forcément, forcément, c'est pour ma gueule. C'est toujours pour ma gueule, de toute façon. Je pense que ça doit le faire aussi. Mais voilà, moi, avant d'être un joueur, enfin, avant de faire du YouTube, etc., faire des vidéos à la E3 pour vous parler du contenu, ce que j'en pense, etc., je suis un joueur compétitif et la compétition passe avant. Et oh, arrêtez de camper, j'ai déjà la mob, les potes, là, c'est bon. C'est bon, je l'ai déjà, là, calmez-vous. De toute façon, on peut essayer d'en faire une deuxième. Bon, ça fait tellement longtemps que j'ai pas essayé de faire des mobs que je pense que ça va être impossible, mais. Oh, y'avait un mec allongé! Oh, j'avais pas vu! On sécurise A.
Oh, ils sont 10 000 à jouer le point là. Putain, les potes, je suis niqué. Regardez vos scores. Respectez-vous, bordel. Ouais, je pense pas que la game on puisse la gagner, les potes. Hein. Je vais faire mon possible, mais. Ah, du coup, ouais, j'étais en KM, je dois absolument la faire et j'ai pas trop joué les points. Mais mes potes, ils abusent aussi un minimum là parce que je fais les kills. Je pourrais aller sur les points là. Ok, let's go. Ouais, non, on va rester défendre le B. Il y a un sniper au fond, je crois. Allez, viens. Vite. On va essayer d'aller sur C rapidement, mais. Là, pour faire le clutch sur C, ça va être très dur. Bonus spécialiste obtenu. Attends, je suis hyper concentré. Ah, impossible. Impossible. Faut trop de balles pour tuer sur jeu, du coup. Du coup, c'est chaud. Donc voilà, par rapport à E3, ce que je voulais dire, j'ai envie aussi de faire un petit best-of. J'ai enregistré tout ce qu'on a fait en live. Je sais pas trop comment appeler la série, mais allez, viens, vite, très haut. On peut gagner encore. Enfin, on peut, j'en suis gagné. Let's go, aide-moi. Let's go. Ah non, allez, tue-le. Ah ouais, on a perdu, c'est putain dommage. Faire un best-of du coup de ce que j'ai enregistré en live. Donc il y a pas mal de choses. Un sur Hearthstone déjà, des victoires volées. Franchement, bah, pour ceux qui jouent à Hearthstone, ça va être drôle. Et un autre avec du code, des actions, des trucs drôles, etc. Plein de trucs comme ça, donc je vais essayer de faire ce montage cette semaine. Un premier test pour voir ce que ça donne, un premier jet, et voir par la suite si vous aimez en refaire d'autres, etc. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez aimé malgré que ce soit pas sur Black Ops 2, j'en suis encore désolé. J'espère que vous avez kiffé parce que du coup on a fait une petite mob, let's go. Et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Sunday Log et le best of qui sortira cette semaine, toujours en live toute la semaine 24h/24 sur teamvitality.fr. Il y a toujours la cam qui tourne là, d'ailleurs il y a des gens qui me regardent en train de faire le Sunday Log, ils m'ont vu faire mon Sunday Log quand j'ai enregistré pour rien. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, bonne journée, bonne soirée à tous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, à très bientôt si vous venez sur nos lives. Et dites dans les commentaires si vous avez kiffé, sinon si c'est le cas je réitérerai. Tout ça dans Warfare 3, c'est sur du Black Ops 2, pourquoi pas du code 4 aussi, même du code 5, bon ce jeu il va être très dur à retrouver. Mais voilà, dites moi dans les commentaires si vous préférez ça que sur Ghost. Moi en tout cas je préfère, c'est plus fun, même si après bon ça doit me changer après si je retourne sur Ghost, c'est pas grave. Je parle beaucoup après la vidéo, pas beaucoup dans la vidéo, mais bon bref, tous les gens.